Salut les poteaux, c'est Vapoteur, c'est Christophe, et je voulais vous parler d'un tout petit truc qu'on ne parle plus trop, voilà, pour ceux qui ont envie d'arrêter de fumer et qui auraient des problèmes pour le faire avec certains matos. Moi, je voulais en conseiller un, qu'on m'a conseillé. En fait, c'est une des pampans qui m'avait conseillé. Enfin, pas personnellement d'ailleurs, mais je l'avais conseillé à tout le monde, ce petit kit. C'était le petit kit Zelos Nautilus 2 pour bien commencer la vape et pas s'enquiquiner à faire ses résistances soi-même. J'avais vu sa vidéo et franchement, j'avoue que ça m'a donné envie. Donc je l'ai prise. Je l'ai prise parce que j'avais décidé d'arrêter de fumer. Donc la première chose que j'ai prise, c'est donc Nautilus 2. Voilà. Ce Nautilus 2 avec la batterie là, Zelos. Il est vendu en kit Zelos plus le Nautilus 2 qui va dessus à la place du Typhoon que vous voyez là. Et donc pour parler de la box, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus. La Zelos est très solide, très fiable. Possède quasiment tous les modes sauf le mode pour vaper en rechargeant. Je trouve pas ça forcément obligatoire d'avoir ça parce qu'on peut recharger la nuit vu que la Spear Zelos plus le Nautilus 2, si vous arrivez pas à tenir la journée avec la box ça fait 2600 mAh je crois de la Zelos, on va y arriver. Quel nom aussi, Zelos. Enfin bon, bref. Et donc, ce tyromiseur est un tyromiseur à tirage serré, avec deux styles de résistance, un à 1,8 et un à 0,7. Voilà. Je préfère la 0,7, pourtant, je suis plutôt du style arôme, mais je préfère les 0,7, c'est étrange. Voilà, donc ce petit. Alors, très pratique, ça fuit que si on fait vraiment, vraiment des conneries, quoi. C'est sûr que c'est un petit. Même pas 2 millilitres, parce que quand on remplit à 2 millilitres, on commence à avoir des fuites dans l'airflow, j'ai remarqué. Alors, les bons côtés, très économique en liquide. Très bons arômes pour un chiromiseur. Vape indirect, bouche-poumon, c'est-à-dire pas de la fumée de fou, et une qualité de fabrication toujours très bonne hein, chez Aspire. Très rare qu'on tombe sur des mauvais produits chez Aspire, très très rare. Et puis le Nautilus 2, donc voilà, on change des résistances une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, ça peut durer entre une semaine. Si on vape beaucoup en VG, ça peut durer une semaine à 3 semaines, les résistances. Moi, c'est rare, hein, ça durerait plus de 15 jours, je vous l'avoue. Mais bon, c'est 11 et quelques les 5. Donc, voilà, c'est pas non plus. Donc, c'est pas des résistances, c'est des résistances toutes faites. Hein. C'est pas des résistances à faire. Donc, voilà, je voulais parler parce que. C'est le Nautilus avec la Zelos, hein, que j'avais parlé la dernière fois, dans ma dernière vidéo. J'ai trouvé tout simplement ce kit très bien pour aller taffer, par exemple. Parce que c'est solide, c'est pas encombrant, c'est fiable, ça dure toute une journée. Elle fait 2600, je l'ai déjà dit, 2600 milliampères. Bon, il y a de quoi durer quasi toute la journée. Donc je voulais parler de ce petit kit Zelos Nautilus 2 pour ceux qui aiment les vapes chérées et ceux qui ont envie de se mettre à la vape parce que après le tabac on le sait tous, ça fait énormément de mauvaises choses. Et donc il faut s'y mettre avant de commencer à avoir des problèmes. Comme ma part, comme beaucoup d'autres, hein. Des reviewers aussi qui ont des problèmes, hein, qui les exposent ou pas. Et voilà, moi je trouve ça bien de conseiller quelque chose
mets en dehors le tabac, en tout cas de tout discernement, parce que on entend un peu tout et n'importe quoi, hein, comme quoi la cigarette électronique serait encore plus mauvaise que la cigarette. Évidemment, faut pas écouter ces choses-là, mais bon, on se dit, c'est des journalistes, donc ils disent forcément la vérité. Bon, non, vous serez dedans. Il y a beaucoup de lobbies tabagiques et pharmaceutiques là-dedans qui se cachent dans ces choses-là. Voilà, donc c'était pour vous dire, le kit Zelos Nautilus 2, vous pouvez le conseiller à pas mal de monde. Ça fait 3 mois que je l'ai, 3 mois que j'ai aucun problème. Les goûts sont plutôt bons, les arômes sont plutôt bons. On n'est pas sur un berserker, hein, évidemment, on est sur du résistance toute faite. Hein. Donc, mais il est très bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est déjà pas si mal. Voilà, donc je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Et puis, je vous fais des bisouilles, des papouilles. Et évidemment, de bonnes vapes. Salut.